À la veille de la manifestation nationale des Harkis, demain à Narbonne, le mouvement de contestation s'est étendu dans le sud de la France, multiplication des barrages dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. À Narbonne, journée calme. Alain Chabot a rencontré à la Cité des Oliviers une famille de Harkis qui témoigne à travers trois générations du malaise de la communauté et de ses problèmes au quotidien. La famille Boutmeur habite la cité depuis 1976. 10 enfants entre 19 et 35 ans. Et déjà deux petits-enfants. La plupart vivent encore dans l'appartement familial. Seul revenu fixe, 2800 francs de retraite pour la mère. Le père, lui, est décédé en 1974. Harki, il avait combattu avec les Français pendant la guerre d'Algérie et après l'indépendance, on l'avait installé avec sa famille, ici, au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard. Des conditions précaires, un peu de travail et beaucoup de promesses rarement satisfaites. Aujourd'hui, les enfants tirent les leçons. Je ne veux pas qu'on se fasse avoir comme nos parents. Je ne veux pas. Il faut aller jusqu'au bout. Nos parents n'ont rien pu faire, malheureusement. À ce moment-là, s'ils savaient au moins lire, écrire, parler un peu, mais je suis sûre qu'ils auraient bougé, je suis sûre qu'ils auraient fait quelque chose. Les frères d'Adjila pensent comme elle. D'ailleurs, depuis une semaine, ils sont dans la rue avec les anciens. Ils demandent davantage de considération et surtout, ils ne veulent plus baisser les bras. On est en train de se battre pour arriver à quelque chose, hein, et j'espère que ça servira. Pour l'instant, c'est le chômage. Seul l'aîné travaille. Les autres pointent à la NPE. Échec scolaire, pas de formation professionnelle ou très peu. Pour joindre les deux bouts, restent les sociétés intérimaires ou alors le travail au noir dans la maçonnerie ou l'agriculture. La famille Boutmeur, c'est l'échec d'une intégration. Aujourd'hui, les Harkis veulent que la prochaine génération mette toutes les chances de son côté.